On les voit, c'est Bira Dembélé. Pour trouver Makedjouf. Oh, attention, la passe manquée de Makedjouf. Ça profite à Tuta. À l'entrée de la surface, c'est déjà l'arrêt énormissime de Maxime Auboin. Le deuxième ballon qui ne trouvera pas preneur. Pas de solution, en tout cas positive pour Tuta. Quelque chose d'encore plus alléchant la saison prochaine. Attention à Mathieu Ezequian qui va s'essayer à la frappe. Ouais, bien enchaîné. Ouais, ça passe à côté de la cage de Maxime Auboin. Ça bouge puisque Dunkerque égalise à Créteil et le Red Star ouvre le score face à Boulogne 1-0. On va suivre cette attaque encore avec Ayario, la faute. Oh, la faute là, et c'est encore Makedjouf et le rouge. Deuxième jaune et carton rouge. Ah, ça c'est pas une bonne chose par contre. Carton rouge pour Florian Makedjouf, coup de théâtre ici à Le Basser avec cette expulsion dès la 24e minute de Florian Makedjouf des Lavallois qui était bousculés, qui étaient contrariés en ce début de partie et qui vont devoir disputer près d'une heure de jeu à 10 contre 11. Et la mi-temps qui est sifflée ici au stade Francis Le Basser, 0-0 entre Laval et Lyon-Duchère. Avec Maïela encore, Maïela pour Kevin Perrault. Perrault sur son pied gauche qui va s'essayer à la frappe. Elle passe juste au-dessus, cette frappe de Kevin Perrault. Le nouvel entrant qui aurait très bien pu ouvrir la marque sur ce coup. Il faut se lâcher, il faut aller la chercher la victoire et peut-être aller chercher le petit supplément d'âme. Et ça passe pour Ivan Ayou avec Maïela maintenant. Maïela qui est taclé à l'entrée de la surface. Récupération encore de la Valois avec cette percussion de Zéoula dans la surface. Le centre vers Bozetti. Ah. C'est renvoyé de la tête par Tetika. Ça revient dans les pieds de Scaramuccino. Et ce ballon sorti par Jean-Gilles Collègue. Il pousse les Lavallois, ils sont dans un temps fort. Ça bouge énormément. Cholet qui était dans les toutes premières places. Hein, ouais, pendant longtemps la ce championnat. Attention à Moisini dans la surface. Quelle défense encore. Impeccable d'Alioune Bas. Attention, c'est pas la but. Et l'ouverture du score, elle est magnifique. Elle est signée Oumar Camara. Ici, à Laval, le coup de froid à Le Basser. Ah, terrible. L'ouverture du score, effectivement, de Lyon-Duchère, c'est Oumar Camara qui vient inscrire un superbe but. Hein, là, ouais, la roulée qui finit dans le petit filet.